je vous rejoins pour vous commenter cette rencontre. Salut. Le match peut démarrer maintenant. Westland. Ça s'agit autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Personne, par un joueur adverse. Ouais, il faut qu'il lui donne, c'est un bon appel. Jones. Pour glisser. Il s'approche. Ah, ça peut être dangereux, il est bien lancé. Il est dans la surface, le but peut-être. Et ils sont à la lutte. C'est trop court, c'est des petits mots pour le défenseur. Jones. Voilà, touche longue, touche courte. Reste aussi. Une bonne anticipation sur cette passe. Oui, il la donne. Un petit aveu d'inquiétude sur cette frappe de loin qui avait peu de chances d'aboutir. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Un peu avec ce ballon. Le ballon vaut à glisser. Il avait bien senti le coup. Les deux joueurs à la lutte. On va marquer, c'est certain. C'est une tête. Le gardien qui repousse. Et je crains qu'il soit obligé de sortir. Sur sa blessure. Oui, Hervé, il s'est tenu le coude, mais il a tout de suite rassuré le banc. Rien de bien sérieux. Merci. Bastos. Il se livre sur ce tacle visé. Bon principe du défenseur. Tout près de la zone de vérité. L'action intérieure. Le ballon, c'est le contre. Ah, ça tourne bien. Ça peut être dangereux. Voilà, c'est fini. Il se jette. Peut-être une occasion. Faire le ménage.
peut-être a beaucoup à jouer avec cette remise en jeu. Intercepte. Il suffit de le dire pour que le contrat se passe. Ah oui, un très beau ballon. On a bien vu le centre. Alors on prend ce ballon de la tête. Et c'est la mi-temps ici, donc pas de marqué, 0-0. Égalité parfaite à l'issue de cette première période. Et personne n'arrive à prendre l'ascendant pour le moment. Alors, il serait intéressant d'écouter ce que vont dire les entraîneurs dans le vestiaire. À mon avis, c'est le coaching qui peut faire basculer le match. Je reprends à l'instant, c'est le début de la seconde période. Il s'avance vers la surface. Le ballon perdu bêtement. Jones. Ah, le tête, le ballon qui n'est pas personne finalement. Il reste aussi. Et le ballon de l'homme adversaire avec cette touche. Bastos. Et un garçon qui s'empare de ce ballon. Je passe. Oh, le centre, il y a donc. Laissez de la tête. Ils obtiennent un corner. Thank you.
Elle va dans tous les sens de côté. Ah, toujours spectaculaire, le tacle glissé. Regardez cette passe. Le centre maintenant. Ah, le bon centre là. Voilà, ça va peut-être leur donner confiance. Ah, j'espère pas, parce que pour le moment, c'est loin d'être terrible. Allez, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Est-ce qu'il a vu l'appel de balle? Le marquage trop laxiste, attention. Dégage avec autorité, c'est bien joué. Sans doute, mais il fait signe qu'il peut continuer à jouer. Merci pour ces informations. Bastos. On est dans la zone de vérité. Le passe. On a l'interception. Le ballon qui sort en touche à proximité du petit corner. Inzaghi. Oh, c'est un bon ballon. Et il n'ira pas plus loin cette action. C'est pas interdit. Touche. Il est à l'interception. Oh, il doit donner ce ballon. Le centre peut-être maintenant. Et il le passe. Attention, la frappe. Oh, ça va encore. C'est notre frappe qu'on revoit. Ils font la différence sur une passe. Ouais, une passe millimétrée qui place le buteur dans les meilleures conditions. Le gardien est battu. Ah, c'est sûr qu'il a dû en mettre des plus difficiles. Celui-ci était évident. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Mandevo a mal donné cette passe en profondeur. Il reste seul. Peut-être une innovation. Oh là là, de justesse, il a été repris. Bastland. Et ça sort en touche. Il avait bien senti le coup.
c'est une touche. Oh, bien centré. Il trouve les défenseurs avec ce centre. On s'approche du but. Aucun souci pour la défense. La frappe. Quel dommage. Il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse. Allez, il faut aller porter le ballon devant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ce sera une touche. Un ballon pour Inzaghi. Ah, c'est mal dosé. Ce sera une touche. Naslund. Ils vont tenter d'égaliser sur ce ballon. L'un des derniers. Le ballon qui est sorti de but. Inzaghi. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Quelle va être la réaction de l'arbitre maintenant? Entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire. Oui, même si c'est sûr que rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu pour tirer de vraies conclusions. Merci de votre fidélité. À très bientôt, j'espère.